Lusaku, Jambo, Yenge, Moyoani, Bandeko nanga ya babena Congo, ou bengi ba Congolais, ou bozana mabela Congo, na kisasa pe na ba province, pe bandeko nanga bana diaspora. Na yo sala message ko beta mbela oyo. Et allez le 23, samedi le 23 avril 2022. Na si bandeko nanga titre. Na osale pe bilingue. Le message on a au sala. Message on a eu quoi adresser ngo. Na ba une introduction suite à ma situation je les gars namboka. Na si vous moni titre. Na zo quoi adresser directement message à mise en garde contre Martin Fayulu. Et puis na zo adresser message au Yosusu na Félix Tshilombo na ba corps ou a outre ko signer. Ou a zo ko légaliser ou existater. Et puis na zo senga na sala message au yo na zo quoi adresser ko sala demande na administration militaire ya Nord Kivu. Pour la libération ya Idengo del Canto. Ou na komo ya Delphin vini wasiki. Bandeko, pour la banda, na oki no bit direct au sujet. Audio ou na zo sala, et go pesa nga peut-être ba audio mi balé, et go se nga audio mi balé. Pour na za mkouche. Na zo kota direct au bit au sujet, bandeko, na indeko na mina sel message yo, pour te mama Congo, azo konyo kama. Mama Congo a nyokami mingi. Eza bisone babena Congo bana na ye. Bisone toko telema pona kulubela ye, pona kubundela ye. Na tangu pase za nakata Congo, mama Congo zoko nyokama, toko kanga munu kote. Mal kelke soa bintimidasyo, kelke soa nini, toko kanga munu kote. Moi, personnellement, je préfère mourir pour une cause juste. Ke nage kufa, na trahir mboka, non. Parce que toutes les morts n'ont pas les mêmes valeurs. Elles n'ont pas les mêmes significatifs. Comme nos frères, comme nos aînés nous ont dit. Na lingina lobaboye. Na zo adressé message à Martin Fayulu. Martin Fayulu, message na zo mettre au mise en garde. Nga na lobamba les belles concernant yo. Ko mettre au mise en garde pour yo na makambozo sala. Ils ont sens té parce que mboka est en occupation au yebiango consciemment au yebi to yebi na lobo mba le bele ke bino bokabola ba role na ba koro bokena ko sine na Genève bokabola ba role yuzan role ozo jouer role na ozo jouer ya distraction yo ozo ka be election ba ke ko pese be election ba voix na yo na 15% oyo ko ta ozo be election té yé wana ba ti un président bidon. Ba boti lo kio ba vwa na yo, paske mbo ke se l'occupation. Tout moun anon même na Europe, pendant l'occupation nazi allemand. Ba pays yo sa ki occupé na Europe, ils n'ont jamais parti na l'élection pour que ba se libéré. Dans un pays occupé ba ki na l'élection, te, nga na kwa prendre yon mote paske o yebi ango, consciemment o yebi. Mais yo ozo conduit peuple na erreur, ozo ko distraire notre peuple. Osant un rôle, osant jouer, bah après ça parce que yo Martin Fayulu, bah foutre quoi bah mbongo, l'ambassadeur, l'ambassadeur, bah chancelier allemand, osant quoi bah mbongo kuna, l'ambassadeur ouana, osant les safety, l'ambassadeur, l'officier très trop basan affaire d'essai, bah ça paye, osant quoi bah salaire kuna, osant quoi ça peuple, osant quoi sacrifier peuple, osant bah sacrifice, osant la relation. Aux autres distraits peuple pendant que yo Martin Fayulu aux autres des bonnes relations dans bande qu'on a au nilotique bande qu'on a au nilotique bah tout parce que yo Martin Fayulu aux autres nilotique aux autres nilotique aux autres benakongote y a nous on a mawa peuple wanate y a nous on a souci à peuple wanate y a nous besoin sacrifier mboka na biso bon sacrifier peuple bon livrer mboka na biso na mboka ba voiture occidentaux. Parce que vous avez appartenu à la loge de la satanique. Vous avez un sacrifice. Vous avez sacrifié Bana, la gêne. Vous avez détruit la jeunesse. Vous avez amené la jeunesse à la revendication de la bidon. Vous avez réclamé, soit disant la loi électorale. Est-ce que vous avez l'élection dans l'occupation? Martin Fayulu, vous avez mis en garde.
yeba ke bino ndo ba politiciens o bo so kine na bele o bo so mené peuple na ko sa ke na ba ba élection boye ba ke bo sa ba personne no ingrata to limi sa binote et puis susu na zo mettre son mise en garde na ba musiciens o bo so linga ba so préparer susu ba musique ya el wonge ya wonge musique parce que na wonge ba misa wonge ba zo linga ba ba préparer bino réconciliation dans le sens conseil moka retrouvaille entre bancier wonge JB Ouera, Adolphe Dominguez, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, Naoba Misusu. Que conseil est le 30, baso préparé que le 30 juin, conseil est dans le stade. Donc, conseil, on est à conseil à l'envoûtement. Pour nous redistribuer le peuple au moment où, dans l'Est, la population est au Koufa. Dans l'Est, chaque jour, dans Ben Baoboma, malgré il y a l'état de siège. Nous avons mis en mise en garde, nous avons fait un faillou. Nous avons fait une campagne dans Mandaka. Pendant que nous avons une occupation, est-ce que dans un pays occupé, nous avons une élection? Et seulement nous avons une kilinini. Parce que pour mon peuple, jour et nuit, dans l'Est, même si c'est ça, l'insécurité est partout. Mais nous avons mis en mise en garde, nous avons fait un. Parce que yo zo sacrifié ba vie à ba petit wana ya ba chez ya ba chaîne ba manifestation bidon ya ba ko réclamer ba loi électorale et ça ba et ça ba et ça ba et ça ba distraction yo na ba l'éteint au bout de ça là bon ça payé mais ba innocent wana ba so souffrir ba vous avez ba monsieur ba ça ba blessé monsieur ba so ba comment aussi combien na ba balle ya ba ya 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 police ou ya police des morts. Après un moment de nous abandonner Bango. Nous avons été à propos de yo. Nous avons été mis en garde par tes failles. Nous avons été mis en garde par tes visionnaires. Nous avons été mis en garde par tes failles. Nous avons été mis en garde parce que ce sont des inconscients. Nous avons été mis en garde par le christianisme. Parce que nous avons été mis en garde par le christianisme et la franc-maçonnerie. Tout le monde a été mis en garde par les chrétiens. Ça fait mal. Parce que c'est ça qu'on réclame chaque fois que il faut tout son ana spiritualité ancestrale tout son tout le que voulu ce qui mangu parce que il y a ça socle fondement ya spiritualité ya biso ba kemit ba yindo na ba biso ba benakong paix à l'humanité parce qu'il mangu azamu limu santo kimbangu azali nzambe oya kela mukili l'esprit là. Exactement, qui manque les esprits. Donc, comment tu manques les esprits? Il manque les esprits. Il y a un homme qui s'incarne. Et puis, il y a un botamine à chair pour nous sauver une nation, pour nous sauver son peuple. Nous avons répété à Martin Fayou. Nous avons dernière fois nous avons un message concernant Yo, contre Yo. Nous avons évité. Nous avons évité. Nous avons sacrifié le peuple, nous avons sacrifié le bantou. Parce que Yo, c'est un nilotique. Aux arabes na Congo té. Yango sala mawa peuple wana té. Yango do jeu rôle. Pour aux arabes sauté. Aux irrécipataires, ba parole ba za ba irrécipataires, ba la guerre irrécipataire. Nana zo mettre mise en garde. Na ba jeté na yo. Na be pengé, tout na ba misusu wana. Alors maintenant bandeko nous avons adressé un message. Nous avons adressé à Félix Tshilombo. Félix Tshilombo a fait le message, a fait l'accord de la signé à Nairobi. A été légalisé par le corps Oyo, soi-disant Addis Abeba, accord cadre Addis Abeba, existaté. Mais si tu es renseignant, tu as la recherche d'investigation, tu as contacté Batou, tu as voir le niveau de l'ONU. C'est un Bakimoun. À l'ouba que Bakor existait, on n'est pas Barack Obama. Bakor wana existait, et à Addis Abeba, Bakor 4, et Zalakate. Bakor Alimera, et Zalakate. Toutes les accords que Félix Tshilombo ont motivé de signer n'existaient pas. Et Zali Kadik, chez nous c'est Kadik. Et ça ne nous concerne pas. Au signer Bakor, aux Ayo Mogom, au signer Bakor, na yo, na ba criminel, ba bandit, ba groupe de mafieux.
et complice avec Américains, les Allemands et des autres pays qui sont derrière cet accord. Mais vous serez confondus. Les pères qui ont voulu ce Kimbang. Parce que ma belle à Congo, c'est un Zambé, ma belle à Congo, c'est un Fum Kimbang. Bien tout le monde. À confondre Bino. Félix Chilombo, si on se livre un mot à la Bissot, là-bas, vautour. Pour nous dépecer et pour nous exterminer. Mais Nzambe a juste, Nzambe a vivant, Nzambe a mona nyonso, oyoso sala. Bancêtre nabiso, bazo mona nyonso. Le long à la mokila molimo, la moni koma sensibilisation, ba traque so bois kama, pour nous sensibiliser peuple. Pour nous sensibiliser, nos ancêtres, j'ai dit nos ancêtres, n'a pas mort, ou ba koufa. Banamikena Mikolo, Bazoko s'est mobilisé. Je vous dis, ça c'est une vision que j'ai vécu au Lélo, à vivre Lélo. Comme je vous dis, je me communique avec nos ancêtres là-bas au Bahoua. Parce que c'est eux qui nous défendent, c'est eux qui nous protègent. Naïra Moukili pour jouer une rôle. Pour tout Bounelam, pour Bounelam Bokawana. On ne va pas croiser les bras. Tout à l'heure, notre pays, parce qu'on dépêche en haut, parce qu'on compétit contre en haut, des pays, des accords soi-disant, aux Zimbabwe, Félix Tshilombo, tu nous amènes, soi-disant, organisation d'Afrique de l'Est, organisation bidon, ou criminel, formé. Nous ne sommes pas, nous sommes pas, le Congo ne se trouve pas à l'Est, le Congo se trouve au centre. Aujourd'hui, on a dit que Félix Tshilombo a offert un handicap intellectuel. On a vraiment handicapé, vraiment intellectuel, mental et tout. On a sérieté. On a sérieté. On a pas séculaire, on a pas nien, on a pas séculaire. Ça disait ma conseiller. Le Congo ne se trouve pas à l'est. Le Congo, notre pays, se trouve au centre. Nous sommes le centre. Tout ça n'a qu'à être centre, Bissot. Mais on, notre pays, tout ça n'a pas tiré dans l'est. Moi qui tiens dans l'est, c'est dans l'est. Et ça n'a sud, et ça n'a ouest. Et tu nous amènes dans des organisations bidons, mafiées, où ils disent que nous, le Congo, il ne va rien en profiter dans l'organisation. Voilà. Qu'est-ce que nous allons en profiter dans l'organisation qui, Afrique de l'Est, avec des pays, l'Ouganda, Rwanda, Tanzanie et le Burundi. Qu'est-ce que nous, Kenya, qu'est-ce que nous allons? Qu'est-ce qu'ils ont? Et ces pays-là profitent chez nous, c'est suite à votre faiblesse dans Bino. Ce que tu es en train de faire, Félix, parce que tu n'es pas bien à Congo. Parce que tu es aussi touti. Soit disant de l'Angola, comme tu te dis toi-même. Moi, je sais que tes parents, ma parents, nos papas, nos papas, dans Rwanda, ta mère qui est mélangée, côté Moussou Bantu, côté Moussou Moutouti, en Angola. Dans Lunda City. Donc, on va bengi, ba tchokwe, ba luba Angola. Bandeko, et ça m'en passe. Et je voulais dire au peuple Congo que ce que Félix Tshilombo est en train de faire ne nous concerne pas. Makamo Félix Tshilombo, des accords qu'il signe par-ci par-là, tous les accords qu'il a signés, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, nous, peuple Congo, ça ne nous concerne pas. Parce que quand il signe des accords, il n'y a aucune décision qui a été prise, même dans le Parlement. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est fait gangster, et il nous prend comme des idiots. Alors, ici, il fait ce qu'il veut. Et ces imbéciles, idiots, satanistes, touti, et leurs alliés, ils acceptent. C'est ça que nous ne voulons pas attendre des élections 2023. Parce que, l'élection 2023, il y a regardez ma corps, et puis c'est ça, il y a un c'est-à-dire, pour nous continuer à nous mettre dans la merde. Il faut qu'on se libère. Mais nous voulons ce qui manque à l'Oba. Pour que ce soit indépendance spirituelle, politique, économique. On ne peut pas continuer avec des élections sans bidon. Ou elle coûte mensongère. Parce que le pays est occupé et contrôlé par les étrangers. Les décisions d'orientation sont prises à l'étranger. Notre souveraineté est dans ma boca papaya et pas la bisouté. Il y a un autre chose qui est dans la yuba pinga.
ne faut pas respecter les ordres mal donnés. Bon, respecter déontologie militaire. Je fais appel au Mapinga, le militaire au autochtone, bon, armé en occupation, il y a FARDC. Je vous demande d'appliquer la déontologie militaire et de défendre la souveraineté. L'homme que vous considérez comme président, il n'est pas président, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Je vous rappelle la femme qui est à côté de lui, et c'est cette femme-là qui décide tant de choses. La femme-là a remplacé Azarès Rubéro, parce qu'à l'époque, c'est Azarès Rubéro qui dirigeait le pays. Ce n'est pas Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe était comme étiquette. Mais c'est Azarès Rubéro qui a dirigé le Congo pendant 20 ans. Et c'est aujourd'hui maintenant, on nous a mis Denis Nyangero, Inyenji, Mututi, qui est là, à côté de Chilombo, et c'est elle. Elle reçoit les décisions dans Libanda, et il n'y a pas Vincent Karega, appelle pas Denis Nyangero, et Denis Nyangero, Nabiselele, bah, il y a Chilombo, a appliqué. Bandeko, tout élément. Nous allons continuer le message, s'il vous plaît, Bandeko, nous allons continuer. Deuxième audio. Bandeko, nous allons continuer le message pour dire que je vous ai dit ceci. Ce que Félix Tshisekedi est en train de faire ne nous concerne pas. Des accords bidons qu'il est en train de signer avec ses alliés satanistes, quels que soient les Américains et les autres, parce que ce qui se passe, les accords que le Rwanda signe, tout, il y a le mec caché derrière l'accord Rwanda. Il y a des Rwandais, et pardon, il y a des Américains qui sont dans la monnaie qui ont mon limo lelo. Dans mon limo, c'est la Bangkoko. Quand je dis, il y a eu dans mon limo, les gens sont mis debout. C'est mort, Congolais, ou Koufi, injustement, qui demande la justice, la vengeance. Ils sont c'est manifesté et mêlé. Même si ils ont fait des traques, je parle, c'est que j'ai vécu le lot, dans 4 heures. Après prière na sisa ki na tanga na kote lo samba desert tanga na bimina 4h na bila megola la pomi muke na na kote na pomi mo ba 5h quelque na komo na kote na vision wana ke na mukile molimo les gens ils sont bazo se mobiliser contre ce que Félix Tshisekedi est en train de faire na maboko ba kolo mabele wana o ba kufa o ba bunde ba kufa pona mboka wana nos ancêtres bas ils se mobilisent, ils sont en colère contre Chilombo et ses alliés. Et puis, il y a des gens, et les gens disent ouvertement que tout ce qui se passe, ce sont les Américains et les Allemands et les Belges et les Français. Mais ils ont mis en principe les Allemands, les Américains en premier lieu, là-bas, Kazan, là-bas, Allemands. Quand ils ont vécu, ce que j'ai vécu, le nom de Mokila Molimo. Alors, Bandeko, vous avez distraité de ce que Félix Tshisekedi est là. Et puis je voudrais mettre Félix Tshisekedi mise en garde. Dans ma camoufle, vous allez former, soi-disant, à force Moko régionale pour traquer les groupes, soi-disant les groupes rebelles. Mais Félix Tshisekedi, tu as vraiment un problème mental. Tu n'existes pas, Tshisekedi. Spirituellement, tu n'existes pas. Parce que le groupe rebelle Oyoso Benga, ce sont tes frères rwandais, non? Ce n'est pas tes frères Tutsi. Parce que Yosa Tutsi, Chilombo. Ce sont tes frères Tutsi. M23, c'est l'armée rwandaise qui se déguise. Ils ont donné le nom de M23. C'est ADF Ndalou. C'est la même l'armée rwandaise. Parce que les ADF Ndalou n'existent pas. Les ADF Ndalou, ils sont devenus de vieux. Et leur commandant en chef a arrêté, appréhendé depuis des années, a été en prison à Kampala. Tous ces groupes que vous avez là, tu es complice de ces groupes-là. Tu es la continuité de l'occupation et des massacres qui se passent à l'est du pays. Félix Tshisekedi, tu es la continuité, tu es complice. Tu es impliqué. L'état de choses, vous avez fait ça pour faciliter l'extermination de Benakongo, de l'est du Kivu, du nord Kivu, du sud Kivu. Pour faciliter les pillages. Mais Félix Tshisekedi, Dieu voit tout. Dieu sait tout.
et Kimbangu, Mvulusi Kimbangu de Ntunguna, voit tout. Et pas en Zambé, à ce moment-là, tu nous parles que les Maïmaï, est-ce que les Maïmaï, ce sont des groupes de rebelles? Non, les Maïmaï, c'est un groupe de résistants, de combattants qui défend la terre de ses ancêtres, de leurs ancêtres, pardon. Les Maïmaï défend la souveraineté de notre pays, défend la souveraineté Congo, la souveraineté de notre pays. Ba Maïmaï, ba soko défendre ma belle, ba koko na bango. Les Maïmaï n'attaquent pas la population. Ils défendent parce qu'il y a une occupation où on est en train d'exterminer les Bénakongo pour remplacer les Nilotiques. Tout ce qui se passe, tu te fais, Félix, tu fais ça avec la complicité. Il y a Paul Kagame et Mike Hama, l'ambassadeur américain, qui n'est pas un ambassadeur, c'est un ex-agent de la CIA, que vous appelez CIA. Et c'est lui qui était parmi l'auteur de la balkanisation de Yougoslavie, de créer la République de Kosovo, des Albaniens. Oh, parce que Kosovo était, en majorité, ils étaient des Serbes. Et ils ont pris l'Albanie, les Albaniens, ils ont amené au Kosovo et ils sont devenus majoritaires. Et c'est là où ils ont découpé Kosovo. Et c'est la même méthode qu'ils veulent faire chez nous. Mais vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Et peuple Congo, nous vous demandons, Boma Rwandais, Tikanyoka, Boma Rwandais, quand tu trouves, nous demandons sur aux militaires, avant que vous nous, de la FARDC, que l'armée de l'occupation, nous demandons aux autochtones, vous êtes infiltrés, plus de 5 quelques généraux. Et ces généraux-là, ils sont problèmes dans notre pays. Et aujourd'hui, Félix Tshilombo, il veut signer des accords pour réintégrer d'autres Rwandais, les M23, parce que les M23 sont des Rwandais. Il veut réintégrer ces Rwandais pour nous pécher. Donc, ils deviendront les majoritaires. Donc, leur objectif, ils veulent prendre le Congo en otage, comme ils ont fait l'Ouganda, Burundi, Rwanda. Parce que leur objectif, que tout ce que le Rwanda fait, ils reçoivent des ordres, ce qu'ils vont faire à partir de l'Israël et à partir de l'Amérique. C'est un chien des Occidentaux. Tout ce qu'il fait, ce sont les Allemands qui le disent. Fais ça. Là, bah, Kazan, Bobé, Badjif, là, bah, Américain. Alors, ce qu'ils ont, Félix Tshilombo est en train de faire, nous demandons à Binoba militaire. Il faut défendre la souveraineté. Et après, vous avez vu le général de brigade, Sylvain Ekeng, qui a dénoncé le porte-parole de la phase ex-FARDC, qui a dénoncé, il a dénoncé directement l'armée rendant l'implication de soi-disant M23. Regarde ce qui s'est passé. Il y a eu le silence des morts à Kinshasa. Et directement, ils ont menacé le général de brigade Sylvain Ekeng. Parce qu'il a dit la vérité. Le statiste qui se passe chez nous, c'est Rwandais, ils nous prennent des idiots. Ils nous ont infiltrés. On a nommé des ministres Tutsi. On a partout dans tout le ministre de Défense. Un Tutsi, ministre chef d'état-major. C'est un Tutsi qui s'est guisé au nom du Congolais. C'est un Mbala. Et c'est un Rwandais, Tutsi. Même le ministre de Défense. Il y a d'autres ministres aussi, des conseillers. Là où, soi-disant, dans la présence, tous sont. Il y a des Rwandais. On nous prend en otage parce que le complot est, il veut contrôler le pays du Royaume Congo. Il veut contrôler Congo. Il y a Kati, s'il prend ça en otage, ils auront la facilité de contrôler Gabon et Congo-Brazzaville. Parce que même au Congo-Brazzaville, Congo, des fois, il y a la faiblesse. Mandeko, je suis en train de continuer. Pendant que, à propos, il y a Niniwana, Nalina Sukawana, à propos, il y a Makambo, il y a Félix Tshilombo. Mais je voudrais dire pour conclure à propos des accords que Félix Tshilombo est en train de signer, que ce que Félix Tshilombo est en train de faire, ça ne nous concerne pas. Peuple Congo Mogazawanate, et puis Parlement a signé le Romogote, a graffé le Romogote. C'est ça. Mais restons toujours debout. Oh, Nazola Nabadio, Bandeko Msoumaloba, Félix Mboke Kei, le pays Mboke Ko Kendete. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont debout, spirituellement et physiquement. Parce que c'est la spiritualité qui dirige le physique. Ils ont perdu la spirituelle.
Mais ils ne resteront pas. Alors, je voudrais maintenant adresser cette message à, j'adresse cette message à l'administration. J'adresse cette message à l'administration militaire du Nord Kivu. Le gouverneur du Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima et son équipe. Monsieur son excellence, monsieur le gouverneur du Nord Kivu, le général Constant Ndima. Avant toute chose, je tiens auprès de votre haute personnalité pour vous adresser ce message à propos du jeune musicien Delphin Vinia Siki, Alliance Idengo Del Canto. Non, mes frères, chers frères, je pourrais faire ce message à part. Donc, je serai obligé maintenant de faire encore un autre message à part.